Souvenez-vous, on en avait parlé de ce professeur qui a été viré de son école parce qu'il venait en cours avec des prothèses mammaires tellement gros, enfin de la taille de plusieurs usines lactelles, et que ça dérangeait certains élèves, lui ça ne le dérangeait pas, il vivait sa meilleure life, mais il avait été dégagé. Coup de théâtre, il réintègre sa classe, et évidemment, il revient avec ses prothèses. Attention, please. C'était il y a presque un an, mine de rien. Euh, si vous voulez le début de l'histoire, c'est un prof au gros néné, mais mal à l'aise ses élèves. Le, le lien est dans la description. Et on a ceci Warmington, l'enseignant trans le mieux, retourne en classe, cette fois à Hamilton. Donc c'est lui. Les images de Kayla le mieux, enseignante transgenre de l'école secondaire Trafalgar d'Ogville. On fait sensation sur les réseaux et sur Twitter. Normalement, les écoles préparent le retour des élèves fin août, mais à l'école secondaire Nora Friends Henderson de Hamilton, ils se préparent également à accueillir un enseignant qui s'identifiait autrefois comme un homme et qui s'identifie maintenant comme une femme avec un grand décolleté prothétique, une perruque blonde et du rouge à lèvres. C'est très précis comme identification mine les élèves ne seront pas seulement accueillis par un nouvel enseignant lorsque les cours commenceront dans une semaine, ils accueilleront également un éducateur mondialement connu pour ce que le directeur appelle l'expression de sa propre expression de genre. Dans une note aux parents obtenue par le Toronto Sun, le directeur Tom Fisher a déclaré que l'école du conseil scolaire du district de Hamilton-Wentworth avait l'obligation de faire respecter le droit individuel et de traiter chacun avec dignité et respect, et que, si l'école était soumise à des perturbations ou à des perturbations, j'imagine que c'est la le... <laughs> traduction. Euh... C'est quoi le mot qu'il a traduit par le même. Euh... Par dignity and respect Ah, yeah, c'est ça, An obligation to uphold individual rights and treat everyone with dignity and respect should the school be subject to any disruption or protest Ok. Donc, ça, il a, il, a mis, euh, il a traduit par le même mot, c'est rigolo. Euh, protestation, nous nous engageons à communiquer avec vous aussi ouvertement et aussi fréquemment que possible pour assurer la sécurité des étudiants et à partager tout plan opérationnel. Et à quand, moi je, la question que je me pose c'est euh, en tant que parent d'élèves, euh, quand est-ce qu'ils vont euh, ouvertement travailler aussi sur la protection des professeurs Le directeur a souligné aux parents les préparatifs en vue de ce que selon lui, Pourrait être une attaque médiatique et une controverse potentielle concernant le retour en classe de l'enseignante trans Kayla LeMieux, qui comprenait des plans spéciaux d'entrée et de sortie. Il s'agira notamment de demander aux élèves d'entrer et de sortir du bâtiment en utilisant les portes assignées à l'entrée et à la sortie, et de verrouiller les portes extérieures pendant les heures de classe en utilisant uniquement les portes principales avant, euh, avant pendant les heures de classe, tandis que tous les étudiants et visiteurs devront utiliser un système d'interphone pour entrer et sortir du bâtiment. Mais on s'en fout de tout ça. Et demander aux parents d'envoyer un email, d'appeler avant de venir à l'école s'ils souhaitent visiter pour parler à un employé. On s'en fout de tout ça. Beaucoup de choses sont déplacées pour accueillir le mieux. Ah, c'est par rapport pour, pour accueillir le mieux, ok. Et pour assurer le confort et l'acceptation de l'enseignant. Dans une tentative d'être transparent. <laughs> oui. Avec notre communauté. Pourquoi ça m'a fait rire Ça m'a fait rire plus que de raison. Le. HWGSB a communiqué sur les mesures que nous prenons pour faciliter un retour en douceur à l'école pour les élèves et la communauté dans son ensemble, a déclaré le Conseil de Toronto vendredi. Nous avons récemment contacté certains parents pour les, inf ah, ils sont plus transparents, pour les informer euh, de la possibilité que l'école de leurs enfants suscite un intérêt public accru. Chers parents, notre établissement va susciter un intérêt public accru Faites attention à vous! Oui, mais c'est quoi le truc? C'est quoi le sujet? Une <laughs> vidéo récemment a fait surface sur les réseaux sociaux d'un élève d'une école non identifiée, apparemment en train de vapoter, alors qu'il était assis aux côtés de l'enseignante trans du secondaire Kayla Lemieux, dont le choix controversé de porter des seins prothétiques de, la, de taille Z, et donc il y a vraiment une lettre à ce truc, et de perruque blonde a été soutenu par le conseil scolaire du district de Halton, tic-tac. C'est exactement ce qui s'est produit l'année dernière lorsque l'école secondaire daugville trafalgar de Halton District School Board a ah ça le HDSB okay, a attiré l'attention des médias du monde entier. L'école a subi des alertes à la bombe et le personnel a fini par prendre congé un congé de stress. On ne sait pas si le mieux enseignera les arts industriels ou une autre matière à la nouvelle école. Est-ce qu'il se sent mieux Est-ce que vous trouvez qu'il est pour le mieux là comme ça Alors grosse question peut-être pas le bon mot grosse mais Énorme question. Euh, donc, ça, c'est la taille Z. C'est intéressant à savoir. Bon, moi, j'ai vécu les années 80-90. J'ai connu le Lolo Ferrari, par exemple, euh, qui était même plus gros que ça, je crois, le Lolo Ferrari. Euh, mais là, on est dans une prothèse. C'est prothétique. Du coup, euh, question ultra technique pour ceux qui savent ça pèse combien C'est quoi C'est de. Euh, merde, c'est quoi le, le gaz là, qui est plus léger clair et du coup, ça allège ce qu'il y a à l'intérieur ça doit peser, ça va peser au bouton, ça va faire mal au, au, au rein. Ou alors, c'est comme la carapace de tortue géniale. C'est-à-dire que quand il l'enlève, il peut sauter vachement haut et courir super vite. Je sais pas. Bien que LE mieux n'ait pas répondu aux questions concernant le transfert vers une, un autre conseil scolaire, le directeur de l'école secondaire de Hamilton a fait écho au message du, H, du HWDCB dans sa note aux parents. Nous vous écrivons aujourd'hui parce que nous prévoyons que l'école que fréquente votre enfant cette année, Nora franz Anderson, pourrait recevoir une certaine attention du public. Et nous souhaitons vous faire part de ce que cela signifie pour vous, vos enfants et notre école. A écrit Pêcheur. Mais euh, est-ce qu'ils ont leur mot à dire Est-ce qu'en tant que parent d'élève, moi, moi, alors du coup c'est mon avis, mon opinion, hein? en tant que parent d'élève, je trouve que j'ai mon mot à dire sur euh, est-ce que j'accepte d'avoir ce genre de prof pour mon gamin ou pas. Et je veux bien qu'on protège les, les, les élèves, mais au bout d'un moment, il faut aussi protéger les profs. Il y a quelque chose sur le fait qu'ils se sentent obligés d'avoir des prothèses pareilles devant des gamins. Bien qu'il n'ait pas nommé le mieux spécifiquement, il a dit aux parents que l'enseignant est un éducateur expérimenté, qui a récemment fait l'objet d'une attention publique en ce qui concerne son expression de genre, alors qu'il enseignait dans une école d'une autre communauté. Donc ça... C'est une expression de genre. De sous-entendre potentiellement l'idée qu'il y aurait peut-être un problème, et de toi automatiquement un transphobe si cis dégueulasse du patriarcat qu'il faut lutter contre. Mais Fischer s'en fiche. A maintenu que même s'il si n'y a actuellement aucun problème de sécurité... Pour garantir un retour en douceur à l'école pour ses élèves et la communauté de son ensemble, nous communiquons avec vous dès le plus tôt et nous préparons une variété de scénarios, y compris un éventuel intérêt immédiat sur place de la manifestation. Dans ma tête, j'ai une question qui vient de popper. Est-ce qu'ils acceptent la baya Ça serait marrant qu'ils interdisent ils interdisent la baya, ils interdisent les crop top, mais ils autorisent ça, ça serait rigolo quand même. Bien qu'il soit privé, le mieux a déjà parlé à des médias dont le Toronto Sun, en disant qu'un médecin lui a diagnostiqué une maladie rare avec des chromosomes XX et qu'une sensibilité hormonale aux oestrogènes a causé la croissance excessive de ses seins. Non mais c'est une prothèse ou c'est ses seins C'est une prothèse. Après, euh, si c'est pas nager, il flotte, hein, sans problème. Cependant, le mieux n'a jamais fourni de documentation médicale pour étayer cette affirmation. Le diagnostic repose sur des discussions verbales que j'ai eues avec mon médecin. Il avait alors déclaré le mieux Je n'ai jamais demandé de notes ou de lettres faisant état de ces découvertes. Je n'ai rien à vous donner. Estimant qu'il n'était même pas approprié de poser la question, le mieux a déclaré Je ne pense pas que les femmes, en général, aient un diagnostic formel de la taille de leur sein. Oui 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 Mais, mais parce que c'est des femmes, je veux dire, entre guillemets, ils peuvent rien. Ah, que ça soit petit ou très gros, euh, c'est génétique. Enfin, on ne peut rien faire au bout d'un moment. Toi, c'est une prothèse. Et je considère... Enfin, je crois. Hein. Et je considère aussi personnellement que la taille des seins n'est pas pertinente. Bah du coup, si la taille des seins n'est pas pertinente, pour une taille normale J'ai décidé de briser mon silence et de mettre mon nom à côté. Après, ça fait porte-gobelet, tu me diras là, voilà, ça fait porte-plateau. J'ai décidé de briser mon silence et de mettre mon nom à côté de mes déclarations. Et maintenant, on me demande d'en apporter la preuve. Et je ne sais vraiment pas comment t'aider avec ça. Le mieux a également entretenu des photographies médiatiques d'un homme sans garde-robe ou avec de gros seins, qui n'était euh, pas elle. Et elle espère que les fascinations pour elle diminuent avec le temps. Alors oui, quand, en fait, il, il met ça quasiment... On l'a vu dans la précédente vidéo. Il met ça que, quasiment que quand il va à l'école et de temps en temps. Quand il va faire ses courses, il est, il est tranquille. Je n'ai jamais senti que j'étais obligé de révéler des détails personnels sur moi-même en raison de l'intérêt particulier des médias, a déclaré le mieux. Et je n'ai jamais voulu attirer l'attention. J'espère que partager cette information me démystifiera et donnera aux gens une meilleure compréhension de la personne que je suis. C'est également ce qu'espère l'école. Notre priorité absolue est la réussite de nos étudiants, a écrit Fischer. Nous nous engageons à maintenir un environnement professionnel sécuritaire, inclusif et propice à leur apprentissage. Le temps nous le dira. Les élèves retourneront en classe le 5 septembre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Vous avez ce prof qui débarque dans votre lycée Vous êtes content Ou vous avez quelque chose à redire Les commentaires sont là, n'hésitez pas. Et à bientôt pour d'autres aventures.